Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne secondaire. Heureux, ça fait longtemps. Oui, j'ai failli mon bonnet aujourd'hui. Oui, vous pouvez commenter quelque chose sur mes cheveux. De toute façon, vous allez le faire. Vous allez pas parler de la vidéo, vous allez parler que de mes cheveux, je le sais. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur Five Nights at... Et non, pas Five Nights at Freddy's, Five Nights at Shrek Hotel. C'est parti. Ah, je suis content. On avait déjà fait une vidéo avec... Top. On avait déjà fait une vidéo sur l'hôtel de Shrek. Ils en ont fait un 2. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne suis pas certain, mais on va le découvrir ensemble. Mon petit Shrek là. 5 nuits à l'hôtel de Shrek. Nuit numéro 1. Hey chef, comment ça va? Est-ce que je peux avoir une chambre pour 5 nuits s'il vous plaît? Pourquoi il y a un problème? Il fait un AVC là. Il y a un côté paralysé sur le visage là. Qu'est-ce qui se passe frérot? Pourquoi il se mord la lèvre là? Ou alors il est en train de me... Ok, vas-y, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, tu connais l'emplacement de ma chambre, hein. Alors. Attends, c'est le bruitage pour les portes, ça? Non, mais les gars! Non, mais c'est pas sérieux! Oh, j'adore, putain, j'adore! Oh, tes biscuits! Qu'est-ce que tu traînes dans... Hey, are you okay? Ça va? Hi! I work here. Ouais, je travaille ici. Je nettoie. Je nettoie. Oh, pardon, je nettoie. Oh, c'est Shrek! Il me possède! Pardon. Pourquoi est-ce que Petit Biscuit c'est devenu Mickey? Tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il a la voix de Mickey? J'aime bien quand tu me flipotes comme ça! Vas-y, je vais laisser Mickey tranquille. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit tableau. Putain, il est sexe quand même. Hein. Il a combien de double menton là? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 double mentons, c'est un appartement. C'est-à-dire que là, entre deux bourrelets, on peut mettre une gazinière, quoi. Allez, on va passer par là. C'est pas ici. C'est pas ici. I need to take a dump before sleep. Ah, il faut que je pose un classique. Bah très bien, nickel, ok, bah je vais redescendre alors. C'est où les toilettes, mon ref? The toilet is over there. Ok, c'est par là. Don't you dare pissing on the walls. Ne pisse pas sur les murs. Après, y'a pas besoin de me... Enfin, vas-y, carré, hein. Ah ouais, mais là j'ai vomi par le cul, hein. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, j'ai pas posé un classique là, j'ai vraiment vomi par le cul quoi. Mais vas-y carré, parfait. Je fais la taille du lavabo. Est-ce que je contrôlerai pas Adeline finalement? Elle va me niquer, je suis mort. Elle va me fumer la gueule. Après le monteur, on n'est pas obligé de mettre ça dans la VOD genre. On peut cut. Allez dodo. Ah ouais, c'est vraiment gros bruitage pour dormir. Ouh, il est pas content, qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas content. J'ai fait un gros caca dans les toilettes et ça lui a pris beaucoup de temps pour le nettoyer. Bah, est-ce qu'on peut poser un classique normal ou pas? J'ai lâché un missile dans les toilettes, apparemment j'ai repeint les chiottes. Après, si tu veux que je nettoie, il faut que je rentre, quoi, non? Ah d'accord, je te prends ton balai. Mais si tu veux, je te le rends le balai, hein. Mais personne n'a jamais pleuré pour un balai. Mais c'est quoi, c'est des traces de classique, ça? Et je veux dire quoi, j'ai fait comme les chiens, je me suis essuyé le cul par terre, je comprends pas, j'ai fait quoi? C'est bon, j'ai nettoyé, allez. Eh, je vais péter un plomb avec ce bruitage de con là. Écoutez-moi bien, si c'est Carlos, je vais m'éclater le front sur le clavier. Jurez, c'était pas Carlos! Je vais me coucher. Il faut que j'aille voir la peinture. Bah vas-y, on va faire ça. Oh no, what have I done? Mais il va me fumer, mais t'es malade, mais qu'est-ce que tu viens de faire, sale fou? Mais qu'est-ce que t'as fait? Je dois faire quelque chose. Mais là, t'as pas éternué, t'as vomi! Cours ou cache la peinture? Je vais la cacher, la peinture. Ah! Ah! Je crois que j'ai perdu. En même temps, vous vouliez que je le cache où? Et je pouvais le cacher nulle part! Je retourne voir la peinture et je vais la cacher sous mon lit. Ok, c'est bon. Ouais, non, mais t'appelles ça caché? C'était serré. Y'a personne! C'est qui? Comment est-ce que je pourrais vous aider? T'aurais pu quand même faire un effort, chef. J'ai entendu un peu de bruit provenant des escaliers. J'ai rien entendu, perso, j'ai rien entendu. Est-ce que vous... Pourquoi est-ce qu'il a un accent russe d'un coup? Je comprends pas. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais, tout est ok. Tout est ok. Alright, good night then. Merci beaucoup, bonne nuit à vous aussi. Oh, on est mort, on va se faire fumer la gueule. T'aurais pu au moins la mettre sous le lit, hein. Qu'est-ce que je suis en train de voir, là? Il lui fait de l'ASMR? Oh
Attends, mais je peux pas participer? C'est comment? T'es en train de poucave là? Ah non, je peux vraiment pas participer. Vas-y, ok. J'ai hyper faim. Il faudrait que j'aille à la cantine quoi. Vas-y, il y a une cantine maintenant. Ah, il y a quand même eu une hausse de budget. Hein. Oh! C'est le chapeauté! C'est le chapeau! Oh la vie de ma mère, mais pourquoi il me fait penser à Squeezie? Pas du tout! Pas du tout! Là, c'est pas le chapeauté, là, oui, c'est le chat empoté, là. Il est devenu énorme ce chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapeautelé? C'est quoi ce bordel? Alors, soit, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend des petites nouilles chinoises? Est-ce qu'on prend une petite pizza, une banane ou un burger? Qui va choisir la banane? Qui va choisir la banane? À un moment, qui se fout de la gueule du monde? Qui est un menteur? Je répète, qui est un menteur? Alors, moi, si je devais choisir entre les quatre, ça prendrait la pizza à balle, hein. Oh, comment ça va, frérot? Hi, I'm Cole. Là, ça sert à rien de poser la question, il a pas l'air bien, là. Là, tu connais la réponse, hein. Il a un œil qui vit tout seul, quoi. Il y a un décalage horaire entre les deux yeux, là. Après, il a l'air gentil. En vrai de vrai, il a l'air gentil. Oh, le bruitage Minecraft. Oh, pitié. Oh, vraiment. Je l'ai englouti, ma pizza. C'est bon, il a fini de poucave, petit biscuit, là? J'ai l'impression qu'il y a un peu de... On a démarré du mauvais pied, hein, tous les deux. Hein. Nuit numéro 4. Alors... Ah, il est pas là. Shrek ? S'il est dans ma chambre, je suis mort. S'il est dans ma chambre, je suis mort. Ah ! Wow ! C'est ton grand-père ! Oh, wow ! Alors là, je sais pas qui a fait ça, hein, mais alors, je vais le retrouver et je vais lui dire les choses, moi. Ça me semble ok, ça me semble faire. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Parce que t'as un truc derrière ton dos et j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Donc, en vrai, je travaille même deux nuits, si tu veux. Ok, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que d'un coup, tu as un accent mafieux, mais je vais prendre les box en dessous et je vais les ramener à l'étage. Y a pas de problème. Je suis ta chose, de toute façon, y a pas de problème. Hein. Hop, regarde-moi ça, je les prends bien là. Tac, 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 tac. Y a pas de souci. Mais attends, frérot, t'es pas obligé de me surveiller. Kaku kaku. Ça te fait pas rire. Allez, je mets ça là. Attendez, je peux le fumer, je crois. Ah non, on peut pas le faire. Dans le 1, on pouvait prendre une arme et on pouvait lui péter la gueule. On peut plus le faire. Ah, je suis abattu. Oh, Carl! Alors tu... Tu vis, hein? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ça va, est-ce que t'as besoin d'aide? Non. D'accord. Bon bah alors oui alors. Si tu veux bien m'aider à ramener les boîtes. Mais t'es trop enjoué là. Personne n'est enjoué à ce point-là. Vas-y, il est... Moi s'il est content de m'aider, y'a pas de problème. Hein. C'est bon, j'ai fini ma mission. Good boy. Now you can go sleep. Ok, merci, vas-y, bah je vais dormir. Hein. Non mais là, je veux bien que t'aies toujours un œil sur moi, ou alors que t'es les yeux dans le dos, ou tout ça, mais là c'est peut-être un peu trop littéral, vas-y hein. En même temps, je suis comme ça moi, je fais tourner la tête des gens, je leur fais tourner la tête genre. Vous l'avez? Allez, on va dormir. Ok, minuit, zéro. Mais tu vois, là tu te réveilles, tu te rendors. En vrai, c'est ça qu'il faut faire. Ah, le pipi de minuit, tant pis. Y'a quelqu'un? Carlos? Carlos, non! Carlos, non! T'étais tellement... Non! On t'oubliera jamais, Carlos. Ah wow! Oh, mais ça va pas! Je ne l'ai pas entendu arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Shrek Juice? Ah, je m'en pète un, vas-y, hein. Bah, ça a l'air savoureux, hein. Attends, il y avait quoi dans les canettes, là? Je peux lire? Créé par la Shrek Company. Il y a 90% des couilles de Shrek et 10% de cocaïne. Ah, je vais péter un plomb. Il y a 90% des couilles de Shrek et 10% de cocaïne. Oh mais c'est des malades. Attends, je peux en prendre un de plus? Bah j'en prends un de plus. Vas-y, carré hein. Je suis mort parce que j'ai bu trop de jus de couilles, mais vous vous rendez compte de la mort? Vas-y, bah carré hein. Ok, et là maintenant que j'ai ça... Waouh! Eh bien écoutez-moi bien, moi je mange des couilles de Shrek tous les jours hein. Ok. Oh non, tu te sens faible. Bah ça a pas duré longtemps, hein. C'était pas hyper rentable, hein. Mais t'étais mort, Carl. Ah, mais c'était un cauchemar. Mais t'es vivant. Je pensais que t'étais mort. Laisse-moi regarder si je trouve quelque chose pour te libérer. Ok. Non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Bah attendez, mais est-ce que je peux pas... Ah mais je vais lui ramener des couilles de Shrek. Voilà, j'en prends un, mais je bois pas. Un conseil, ne lis pas ce qu'il y a au dos, fais-moi confiance, c'est un Red Bull goût fruit du dragon. Allez, hop là. Voilà. Tac, energy drink. Allez, hop là. Ah ! Carlos ! Oh !
Oh, il court le bougre. Oh, la tête, oh, la tête qu'il a, mon ref. Vite. Oh, je suis lent, je suis lent. Bah, je suis mort. Oh, il y a une cinématique. J'ai juré, il y a une cinématique. C'est Carlos qui... Ah, je vais péter un plomb, c'est le meilleur jeu du monde. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Il a sorti un lance-roquette. Je vais péter un plomb. Qu'est-ce que... À quoi je viens de jouer là? Écoutez-moi bien, c'est le meilleur jeu du monde. Je le classe juste après The Last of Us 2. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et vous pouvez voir une autre vidéo en cliquant juste ici. Allez, juste là.